Mesdames, Messieurs les recteurs, chers collègues, chers amis, à l'occasion de l'inauguration des nouveaux bureaux de la Fédération internationale des universités catholiques, sa présidente et le secrétariat international sont heureux d'accueillir dans nos nouveaux locaux à Paris le cardinal Tolentino de Mendoza, préfet du Dicaster pour la culture et l'éducation. Cette venue du cardinal nous honore, elle est aussi une marque d'amitié à l'égard de la Fédération et de son secrétariat, fédération que le cardinal connaît de longue date. Le cardinal a également accédé à notre demande de vous délivrer à cette occasion un message au sujet des universités catholiques. Je vous en remercie très sincèrement, monsieur le cardinal, et vous laisse la parole. Bonjour, je tiens à commencer en saluant chaleureusement la Fédération internationale des universités catholiques, sa présidente, ma grande amie Isabelle Gilles, son secrétaire général, François Mabille, tous ses collaborateurs et tous les membres des universités catholiques. C'est un jour important pour la Fédération, l'inauguration de son nouveau siège, et je m'associe avec joie à cet événement, saluant également tous ceux qui nous suivent à distance. Ce que l'Église attend des universités catholiques. En décembre 2020, le pape François a enregistré un message vidéo dans lequel il a salué certains universitaires engagés dans la mission 4.7 de l'UNESCO et dans le pacte éducatif global de Saint-Siège. Dans ce message vidéo, le Saint-Père a prononcé une phrase avec laquelle je voudrais maintenant commencer mon propos. Il a déclaré: l'éducation est un acte d'espérance qui, à partir du présent, regarde l'avenir. Comme vous le constatez, la phrase de notre pape pourrait donner raison à l'objet qui nous réunit, à savoir regarder vers ce que nous voudrions que nos universités catholiques deviennent dans le futur, en partant de notre présent et bien sûr, sans oublier l'héritage reçu du passé. Regarder à partir du présent implique donc d'élargir notre vision et d'écouter d'autres points de vue à l'image d'un polyèdre. En d'autres termes, nous ne pouvons pas nous limiter à voir les universités uniquement à partir de notre propre réalité. Nous avons besoin que, comme le polyèdre, de nombreux regards reflètent l'originalité des institutions éducatives catholiques grâce à la convergence de tous les partis pris au point de vue. Cette observation d'aujourd'hui est donc appelée à être multiple et plurielle, car il est nécessaire qu'elle englobe la situation présente de l'Église, celle de nos universités catholiques, de l'engagement de tant de femmes et d'hommes dans la formation intégrale de la personne humaine, le présent des disciples de Jésus qui travaillent dans le monde de l'éducation et de la culture, et enfin, et non moins important, celui de ci qui entoure nos institutions, c'est-à-dire la totalité des personnes dans une société qui recherche un bien commun, qui intègre vraiment tout le monde. Si nous partons de ces présents, notre regard vers l'avenir ne se limitera pas à une programmation de routine. Notre regard deviendra un acte d'espérance. Que les universités catholiques soient de bonnes universités est une chose pour laquelle nous devons nous battre. Mais nous devons savoir que c'est encore trop peu.
dans l'esprit du pape François, les universités catholiques ne doivent pas uniquement se limiter à décerner des diplômes de qualité et à garantir d'ambitieuses carrières. Comme l'a dit le pape dans son message pour la paix de 2021, l'Église souhaite que nos établissements supérieurs s'y distinguent comme des universités du monde qui, en offrant leurs services éducatifs, sont disposées à transmettre un système de valeurs fondé sur la reconnaissance de la dignité de chaque individu, de chaque communauté linguistique, ethnique et religieuse, de chaque peuple et des droits fondamentaux qui en découlent. En une phrase, on a l'espérance que notre éducation catholique soit plus, qu'elle soit plus enracinée dans l'éthos chrétien et donc plus audacieuse dans la recherche de la vérité, qu'elle soit plus culturellement inventive, plus à l'écoute de la société, plus ouverte et inclusive, capable d'une écoute patiente, d'un dialogue constructif et d'une compréhension mutuelle. Et maintenant, après avoir écouté le défi que le pape nous a lancé, je pense qu'il est approprié de vous proposer d'examiner une voie à suivre afin de pouvoir avancer vers l'avenir. Dans cette perspective d'envisager l'avenir, je considère qu'il y a deux aspects essentiels qui doivent être maintenus et deux autres que nous sommes appelés à rénover. Il y a certainement d'autres aspects que nous pourrions aborder au cours de notre réunion ou dans un autre cadre. La réflexion et la participation sont les bienvenus pour le bien de nos universités. Point numéro un, l'identité. Le premier aspect dont une université catholique ne peut se passer, ni maintenant, ni demain, est celui de sa propre identité. Sans elle, l'université s'éloignerait de sa mission éducative, à l'exemple de Jésus, notre maître, et deviendrait une fabrique de titres professionnels. À cet égard, la Constitution apostolique Ex Cordia Ecclesiae définit une université catholique comme une communauté académique qui s'y distingue, premièrement, par une inspiration chrétienne, non seulement de chacun de ses membres, mais aussi de la communauté universitaire en tant que telle. Deuxièmement, par une réflexion continue à la lumière de la foi catholique sur le trésor toujours croissant de la connaissance humaine auquel elle cherche à porter sa contribution par ses propres recherches. Troisièmement, par la fidélité au message chrétien tel qu'il est présenté par l'Église. Et quatrièmement, par un effort institutionnel au service du peuple de Dieu et de la famille humaine, dans leur cheminement vers ces buts transcendants qui donnent un sens à la vie. Cependant, bien que nos universités aient réfléchi à leur propre identité par le biais de groupes d'études, de publications, de conférences, etc., nous devons ouvrir les yeux encore plus grands, surtout face à ces mondes changeants et instables. Aujourd'hui, plusieurs tentations entourent nos institutions, et si nous ne sommes pas vigilants, nous courons le risque d'y succomber sans nous en rendre compte. Une tentation qui brise l'identité est, pour reprendre la pensée du pape François, l'auto-préservation de l'institution.
c'est-à-dire cette introversion excessive qui paralyse les dynamismes éducatifs en tournant le dos à la réalité. L'autopréservation nous transforme en fonctionnaires de l'éducation au détriment de l'action évangélisatrice de l'université, au point de multiplier les distances entre professeurs et étudiants, entre professeurs eux-mêmes, entre étudiants eux-mêmes et entre l'institution, l'Église et la société. En d'autres termes, les œuvres et les gestes de la vie quotidienne disparaissent et nous ne nous sentons plus frères et sœurs. Il est si facile pour les composants d'une université de devenir des îles séparées et pour l'université de devenir un archipel de solitude. Une autre tentation qui porte atteinte à l'identité est l'autoréférentialité, dont le pape François nous a souvent parlé. Dans le cas des universités catholiques, on est autoréférentiel quand, au fond, on a confiance en ses propres forces et qu'on ressent, en tant qu'institution, une certaine supériorité. À cet égard, il convient de réfléchir à un discours prononcé par le pape en mai de l'année dernière, qui est lié à cette tentation de l'autoréférentialité. Je lis un paragraphe. Le mythe de Prométhée, peut-être approprié à d'autres époques, n'est plus à la nôtre. Nous n'avons pas besoin d'un héroïsme titanesque, mais d'une fraternité douce et patiente entre nous et avec la création. La vie et l'histoire montrent en effet que nous ne pouvons être nous-mêmes sans l'autre et sans les autres. Dans un monde où tout est intimement connecté, il est nécessaire de s'ouvrir de manière créative à des nouveaux itinéraires plus intégrés, partagés, directement liés aux personnes et à leur environnement. Point numéro 2, la mission. Le deuxième aspect auquel une université catholique ne peut renoncer, ni dans le présent ni dans l'avenir, est la mission par laquelle elle s'associe à la belle tâche de l'évangélisation. Ex corde ecclesiae entend cette évangélisation comme étant orientée vers une présence publique, continue et universelle, pour ainsi dire, de la pensée chrétienne dont tout effort visant à promouvoir la culture du haut niveau et aussi à former tous les étudiants de manière à ce qu'ils deviennent des hommes de savoir, préparés à exercer des fonctions responsables dans la société et à témoigner de leur foi devant le monde. Dans une université catholique, cette présence se traduit avant tout par le dialogue continu et scientifique entre la foi et la raison. Aujourd'hui et demain, il sera nécessaire de consolider une compatibilité crédible entre la foi et la raison. Précisément, la foi et la raison, lorsqu'elles marchent main dans la main, sont capables de valoriser la culture de l'être humain, d'imprégner le monde de sens et de construire des sociétés plus humaines, plus fraternelles et par conséquent plus pleines de Dieu. Nous devons nous méfier de deux dangers, le fidéisme et la raison autonome. Tous deux se méfient l'un de l'autre, se méprisent et s'intronisent comme s'il était unique. Un établissement d'enseignement catholique
doit éviter l'aspiration à devenir une paroisse ou un groupe de dévotion. Et de même, elle doit se démarquer de la présomption qui consiste à proclamer que seule certaines sciences accepteraient la présence de la foi et que les autres en seraient exemptés. Le pape François a dit à juste titre que la foi éveille le sens critique. La foi élargit les horizons de la raison pour mieux éclairer le monde qui se présente aux études de la science. Je termine cet aspect en souhaitant que nos universités acceptent au plus vite l'invitation du pape sur le principe de l'interdisciplinarité, non seulement sous sa forme entre guillemets faible, de simple multidisciplinarité, mais aussi sur sa forme entre guillemets forte de transdisciplinarité, comme lieu et maturation de toutes les connaissances dans l'espace de la lumière et de vie offert par la sagesse qui découle de la révélation de Dieu. Après avoir vu les aspects auxquels on ne peut renoncer, l'identité et la mission, je présente brièvement les autres qui ont besoin d'être rénovés maintenant pour en s'amuser un avenir prometteur. Point numéro 3, le dialogue. Le premier de ces éléments est le dialogue. En effet, si nous avions suivi le magistère de pape François, nous pourrions dire, sans nous tromper, que l'invitation au dialogue est une constante dans ses discours et messages adressés à toute communauté ecclésiale et mondiale. Le dialogue fait partie de la dimension constitutive de tout être humain. Tous les anthropologues et sociologues s'accordent sur ces points. L'individu a besoin de dialogue. Tout son être physique, son être spirituel et ses actions sont orientés vers la communication. Pour l'éducateur et l'étudiant d'une université catholique, le dialogue se fonde et se développe dans la dynamique du dialogue trinitaire, dans le dialogue entre Dieu et l'homme et dans le dialogue entre les personnes elles-mêmes. Ainsi, les établissements d'enseignement catholique, de par leur nature ecclésiale, sont appelés à partager le dialogue comme un élément constitutif de leur identité. En d'autres termes, ils sont invités à pratiquer la grammaire du dialogue, non pas comme un expédient technique, mais comme une modalité profonde des relations, comme une expression de la synodalité. Les communautés éducatives catholiques ne peuvent pas ne pas être synodales. Elles doivent permettre à un individu de s'exprimer et de grandir humainement dans un processus de relations de dialogue, en interagissant de manière constructive, en manifestant du respect, en acceptant des points de vue différents, en créant de la confiance dans un climat d'harmonie authentique. Or, le pape François a donné quelques indications fondamentales pour promouvoir le dialogue. Ce sont le devoir de l'identité, le courage de l'altérité et la sincérité des intentions. Le devoir de l'identité, parce qu'il n'est pas possible d'engager un véritable dialogue sur la base de l'ambiguïté
ou en sacrifiant le bien pour plaire à l'autre. Le courage de l'altérité, parce que ceux qui sont différents culturellement ou religieusement ne sont pas vus et traités comme des ennemis, mais sont accueillis comme des compagnons de route, avec la conviction authentique que le bien de chacun se trouve dans le bien de tous. La sincérité des intentions, car le dialogue, en tant qu'expression authentique de ce qui est humain, n'est pas une stratégie pour attendre des arrière-pensées, mais le chemin de vérité qui mérite d'être suivi patiemment pour transformer la compétition en coopération. Nous savons que l'enseignement dispensé dans nos universités catholiques vise à la formation intégrale de l'être humain. Eh bien, le dialogue bien canalisé pourrait renforcer les acquis et ouvrir les horizons des personnes, leur permettant de se dépasser et les aidant à construire l'amitié sociale et la fraternité universelle tant attendue. N'oublions pas que si nos institutions éducatives sont fermées au dialogue, elles seront vouées à s'isoler, même si leurs projets éducatifs ont été inspirés par la doctrine chrétienne. De même, si nos institutions ne se préoccupent que de dialogue, oubliant l'identité qui les caractérise, elles finiront par être des simples institutions entraînées par le mode du moment. La vertu recherche l'équilibre. Point numéro 4 et dernier, la pastorale universitaire. Depuis le début du pontificat du pape François, nous sommes invités à une conversion pastorale et missionnaire. En conséquence, de nombreuses conférences épiscopales, congrégations religieuses et différentes institutions ecclésiales ont encouragé la réflexion sur la pastorale menée par chacune d'entre elles. Dans certains cas, les structures ont été réformées. Dans d'autres, le message a été actualisé en fonction des signes des temps. La conversion pastorale, à laquelle nous sommes appelés, vise à rendre la pastorale ordinaire plus large et plus ouverte à tous les niveaux, à placer les agents pastoraux dans une attitude constante de sortie et à favoriser ainsi une réponse positive de tous ceux que Jésus appelle à son amitié. Cependant, peu de choses ont été entreprises encore concernant la pastorale universitaire. Certaines universités catholiques considèrent encore que la pastorale se limite à voir une chapelle, une image de Christ, de la Vierge ou d'encens. Elles se croient catholiques parce qu'elles ont un aumônier ou un agent pastoral qui leur est affecté. Dans certaines autres universités, les signes chrétiens ne sont pas présents. Par conséquent, si nous voulons que notre avenir soit engagé dans la société fraternelle que nous souhaitons, il est nécessaire de réfléchir à partir du kérigme à la pastorale universitaire dont nous avons besoin maintenant et qui pourrait influencer l'avenir. Quoi qu'il en soit, il serait louable que nos universités encouragent et promeuvent une pastorale rénovée
dans laquelle la foi s'incarne à travers des activités quotidiennes, avec des moments significatifs de prière, de réflexion et d'approfondissement culturel. La pastorale doit tenir compte du fait qu'un trait caractéristique des jeunes d'aujourd'hui est l'engagement social. Le volontariat est une école de vie au sein de l'école elle-même. Les jeunes désireux de s'engager dans des actions de volontariat, de citoyenneté active et de solidarité sociale sont nombreux. Ils doivent être accompagnés et encouragés afin de faire émerger les talents, les compétences et la créativité des jeunes et de les inciter à prendre des responsabilités. L'engagement social et le contact direct avec les pauvres reste une opportunité fondamentale pour découvrir ou approfondir sa foi et discerner sa vocation. Un autre élément important à garder à l'esprit et à intensifier est la dimension culturelle. La suggestion du pape François de créer un nouveau dicastère où la culture et l'éducation sont réunies est ici un défi auquel nous devrons répondre ensemble en cherchant plus de synergie et en prenant plus de risques. Je termine par un vœu pour tous ceux qui composent les communautés académiques de nos universités catholiques. Je souhaite que, partant de notre présent, avec ses avantages et ses inconvénients, nous puissions envisager sérieusement l'avenir. Puissions-nous tous, comme l'a dit le pape François dans le message vidéo que j'ai cité au début, devenir les créateurs d'une nouvelle beauté humaine, une nouvelle beauté fraternelle et amicale, comme la sauvegarde de la terre sur laquelle nous marchons. Merci.